Les immortels surveillent les rues. Je dois rester discrète. Une statuette de dieu païen. Peut-être une déesse de la fertilité. Elle est vieille de plusieurs milliers d'années. Des cloches pour sonner l'alarme. Je devrais les détruire. Que
Incroyable. Le style paraît ancien, mais on voit... un train. L'arrivée des Soviétiques. J'ai dû m'endormir. Difficile d'estimer l'heure sous la glace. Les immortels n'avaient pas chômé. Un cadavre gisait, la peau aussi laiteuse qu'un poisson mort, là où se dressait un tas de cendres brûlantes la nuit dernière. Alors que je l'observais, le mort s'est mis à respirer. Il a émis une sorte de râle d'agonie inversée, en inspirant pour la première fois de la journée. Puis il a regardé vers moi, et je l'ai enfin reconnu. J'avais tué cet homme par le passé, durant la bataille. Et il ne m'a pas oublié. Je l'ai donc tué à nouveau, en lui broyant le crâne, avant qu'il n'ait le temps de se lever. Mais ses cendres sont à nouveau restées chaudes. Je ne veux pas être là quand il se réveillera. La froideur de son regard éteint était semblable à une promesse. Tel le phénix, il renaîtra encore et encore, chaque fois un peu plus déterminé à mettre fin à mes jours. Si je reste, il y parviendra tôt ou tard. Leurs étables. Il ne reste plus que des os. Et plus rien dessus.
C'est du mongol. Je n'arrive pas à comprendre. Tire dessus. Thank you.
faut que j'enfonce cette porte. Ça devrait être bon. Alors feu. Dieu me met à l'épreuve. J'ai récupéré des armes et des outils, suffisamment pour survivre. Le Khan m'a un jour demandé d'apprendre à tirer à l'arc et à me battre comme l'un de ses soldats. Et pour cela, je lui suis reconnaissant. Il m'a donné ses propres flèches, capables de transpercer les armures. La glace environnante me fournit de quoi étancher ma soif, mais elle dégouline de sang. L'armée du prophète patrouille désormais dans une ville fantôme. Ces hommes n'ont rien à voir avec ceux qui nous ont accueillis aux portes de la ville. Ils ont changé d'une certaine façon. Parmi eux se trouve un homme que j'ai tué moi-même au combat. D'après les vieilles légendes, ceux qui ont posé les yeux sur la source divine ont renoncé à leur âme pour accéder à l'immortalité. Si c'est avéré, je vais mourir ici, enseveli avec le secret que j'étais chargé de découvrir.